Bonjour, je m'appelle Maxime Denommé, je vais jouer dans L'importance d'être constant d'Oscar Wilde. L'importance d'être constant, c'est l'histoire de deux jeunes dandies qui sont un peu paumés, endettés, et qui s'inventent un personnage fictif à la campagne pour fuir un peu leurs responsabilités. Mais ils vont se faire prendre à leur propre jeu, ils vont tomber amoureux en fait, et ça permet toute une suite de quiproquos parce que la fille dont je suis amoureux, est amoureuse non seulement de moi, mais de mon nom. Mais en fait, c'est pas mon vrai nom. Elle est amoureuse de mon nom Constant. Elle n'arrête pas de dire à quel point Constant, c'est un nom parfait pour un homme. Mais en réalité, je m'appelle Jack. Je suis très heureux de jouer dans cette pièce méconnue. On connaît Oscar Wilde comme personnage, mais on connaît moins cette pièce-là, qui a été jouée et qui a été un grand succès. C'était son plus grand succès. C'est une comédie très raffinée, pleine de finesse. Oscar Wilde était très irrévérencieux, en fait. On sent beaucoup une moquerie un peu des rapports hétérosexuels. Il disait, vous voyez, il y a moyen de vivre comme dans une féerie, comme de vos rapports hétérosexuels, regardez ma pièce. Alors, c'est une pièce où on sent une certaine moquerie, mais tout en finesse. Je suis très content de retravailler avec Yves Degagné, avec qui j'avais travaillé au cinéma dans Idole instantanée. C'est un peu lui qui m'a ouvert les portes du cinéma. Yves, vraiment le don de réunir des gangs. Je vais partager la scène avec Anne-Elisabeth Bossé, qui est une jeune actrice avec le vent dans les voiles. Une encore plus jeune, Virginie Rangé-Bourgard, avec Vincent Fafard, avec Julie Vincent, Patrice Coquereau et aussi avec Henri Chassé. On est très heureux de venir vous présenter cette comédie ici pour vous dans le cadre des sorties du TNM. Bonne saison théâtrale!